took my passion, my dream of life. Let me, what do we define? Please don't say it, I won't take it anymore. Why should I run out? Is what I found. I never asked you to go away. Didn't want to. How could you pay? Please don't say it. I won't take it anymore. Why should I run out? Ouais, we are what we are, nous sommes ce que nous sommes. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, les amis. Ici Hermès, votre hôte, sur la chaîne Alethea 333. Alors oui, qui toujours fait des recherches sur lui-même et sur nous tous. Qui sommes-nous vraiment? Nous sommes ce que nous sommes, oui, mais qui sommes-nous? C'est toujours l'éternelle question. La réponse pour moi, c'est toujours nous sommes divins, nous sommes des êtres divins. On n'était pas des singes, on n'est pas, je crois pas moi, toute cette bullshit-là d'évolution, là, qu'on a passé du singe à ce que nous sommes maintenant, malgré qu'il y en a qui agissent comme des singes, là, mais ça c'est une autre histoire, c'est une autre affaire. Cette vidéo-là va bien avec la vidéo précédente parce que c'était ça ma journée. Je suis sorti au centre-ville, je suis allé dans le métro. Donc, on voit tout ça dans cette vidéo-là du groupe The Other Ones. Groupe méconnu. Qui connaît ça? C'est pas populaire du tout, là. Moi, j'ai connu ce groupe-là. Ça jouait à la radio quand j'habitais dans l'Outaouais, dans les années 80. De cette époque-là, là, 87, 88. Je devais être au cégep dans ce temps-là. Alors... j'entendais ça. Je sais pas, je me souviens pas quelle radio. C'était-tu chez 106, probablement. Parce que j'écoutais juste ce poste-là. Parce que il y avait rien d'autre de bon. Là. J'en écoutais d'autres, là, mais chez 106, c'était le poste que j'écoutais le plus. Je sais pas si ça existe encore. Je pense que oui. Il me semble que c'est là que je l'entendais. En tout cas, c'est quand même un groupe alternatif. C'est pas un groupe populaire. Mais il faut prendre la chanson telle. On ne veut pas être autre chose que nous-mêmes. On est nous-mêmes. On n'est pas quelqu'un d'autre. Donc, je suis moi-même. Je ne suis pas quelqu'un d'autre. Ça revient avec ma journée d'aujourd'hui. Puis avec la chanson de Radiohead, I'm not here. Je ne suis pas ici. Comment disparaître complètement? How to disappear completely? Ou how to completely disappear? Je ne sais pas comment le dire. Est-ce que je le dis bien? Mais... on est dans une situation qu'on se dit non, ça se peut pas, ça peut pas être vrai, ça n'a pas de bon sens. C'est comme notre état humain dans le monde horrible dans lequel on est. Monde de domination, de haine. On se dit non, ça se peut pas, ça arrive pas, je suis juste dans un rêve, je suis pas là. Alors, je sais pas, on dirait que c'est... Quand on est lucide, vraiment, quand on a ces moments de lucidité-là, on se dit, ben oui, je suis vraiment moi-même, là. Quand je me détache, juste ça, je me détache. Je vois comme en dehors. C'est comme si je me détache de moi-même, puis je me vois comme ceux qui meurent, en tout cas ceux qui disent qu'ils ont vécu une expérience hors de leur corps, qui sont morts mais qui sont revenus, qui sont juste morts quelques instants. Alors, c'est d'être au-dessus de soi-même, de se voir nous-mêmes. C'est dur de se voir, on se voit pas vraiment.
Quand on se voit, c'est aïe aïe, là. Mais en même temps, je suis ce que je suis. Mais. C'est ça, quand il dit à l'intérieur, je suis pas ici. Fait qu'on est où? C'est quoi la réalité? Je sais pas. Tu sais, là, je suis dans. Je suis devant ma caméra, je vous parle. Ceux qui m'écoutent, au moment qu'ils vont m'écouter, c'est ça que moi, je fais pas du direct, je suis pas rendu là. Mais ceux qui vont m'écouter, ceux qui m'écoutent là en ce moment. Je veux dire, je suis pas vraiment là, je suis pas avec vous. Je suis dans le virtuel, c'est juste numérique, ça a été comme enregistré. C'est un moment qui a été capté. C'est quelque chose. Là, ce soir, je fais de la grosse philosophie. Encore une fois, je suis en train de me casser la tête, puis vous casser la tête à vous autres aussi. Mais c'est ça. C'est quoi tout ça? On s'en va. À quoi ça rime? On s'en va où avec ça? Je sais pas. Où c'est que je m'en vais avec ce sujet-là? Ça patine à ce moment-là. Non, mais c'est juste que. Ben, tout ça pour dire que c'est ça. On est tellement là. Ben, tu sais, je vais au centre-ville, les publicités. Le complexe des jardins là, avec les annonces, les télévisions dans les écrans, dans les fenêtres, tout pour nous attirer, c'est tout du visuel, tu sais, ça scintille, c'est tout faux, c'est tout de la magie, c'est tout de l'illusion, c'est à ça que je veux en venir, c'est notre monde d'illusion, donc c'est une illusion. On est quoi? Si moi, là, en ce moment, c'est pas vrai, c'est quoi? C'est pour ça que je dis dans mon vidéo précédent que la vie, des fois, la vie, c'est un rêve, mais ça tourne tout le temps au cauchemar parce que on a abdiqué, on laisse notre vie. On a laissé notre vie, c'est pas nous qui sommes maîtres, on a laissé ça à d'autres. Ils nous rendent la vie infernale, comme c'est pas possible. Donc, ça tourne au cauchemar, c'est sûr, parce qu'on n'est pas maître. C'est eux qui sont les maîtres, et puis ils nous font souffrir. Alors, je me dis, quand on meurt, c'est la délivrance. C'est surtout qu'on se réveille, on est vraiment nous-mêmes. On est vraiment face à qui on est vraiment, je pense. En tout cas, c'est... Puis que là, on est dans un corps, on a emprunté un... On est dans le matériel, je me touche, je suis vrai. Je suis fait de chair, d'os, de sang, alors mes cartes... Quand je vais m'éteindre, ça va être quoi? Je vais être où? C'est toujours... aïe, aïe! Ouais, ça va pas nulle part, mais c'est pas grave. Je sais que vous allez me suivre pareil. Vous m'aimez pareil, ceux qui me suivent, le peu de monde. Mais, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça que je suis. Moi, je pense toujours à mon existence, à notre existence. Qui sommes-nous? Où allons-nous? Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Je pense que c'est des questions normales. Pourquoi que tout arrive? La façon que ça arrive? Pourquoi qu'on est dans ce monde-là? On est comme propulsé. Je me promène, c'était la rue Sainte-Catherine, on va dire passer Saint-Laurent, à partir de Saint-Laurent. C'est ça, là. C'est les businessmen, c'est le monde des affaires, c'est le monde. Mais c'est toutes sortes de mondes. Mais c'est pas le vrai. Ils sont pas eux-mêmes, je pense. Ils sont comme moi. Ben je joue pas de game. Ou dans le fond, ils pensent comme moi, ils jouent une game, mais dans le fond, ils aimeraient ça être eux-mêmes, vous autres aussi. C'est tout ça, c'est comme je disais dans la vidéo précédente, c'est des gens que je verrai plus jamais, que je croise. Là. Quand je m'en vais dans des foules comme ça, quand je vais dans des centres d'achat ou dans le centre-ville, que je marche comme ça, que j'erre dans le centre-ville, ben je croise des gens que je ne reverrai probablement plus, à moins d'une coïncidence. On peut se revoir dans quelques mois ou quelques années, mais la plupart du temps, je ne les reverrai plus.
Alors, c'est des gens qui ont leurs propres soucis, qui ont leurs propres problèmes, eux aussi, qui ont leurs propres questionnements sur la vie. Alors, oui, c'était ce soir la philosophie, pas dans le boudoir, mais au studio 333, sur ma chaîne, à l'ETA 333, avec Hermès. Alors, merci d'avoir écouté et regardé. J'irai pas plus loin parce que je m'en fous nulle part avec ça. C'est mieux qu'on fasse juste philosopher et écouter de belles chansons des années 80 qui ont passé inaperçues ou qui ont, comme on dit, passé dans le beurre. Ça a pas, hein? Je pense pas qu'il y a grand monde qui connaisse ça. Je fais peut-être découvrir quelque chose à bien des gens. Un groupe ou une chanson que personne connaît ou on... Je pense que c'est vraiment plus les gens... intellectuels, excusez-moi. Sans faire mon fraîchier, ça appartient juste seulement à une certaine classe de gens. C'est pas les débiles profonds qui écoutent des postes comme Rouge FM et compagnie. Là, toute la cochonnerie là, commerciale de marde, là, avec les vedettes de l'heure. Je sais pas c'est quoi qui joue là, en ce moment. Là. Toutes les cochonneries là, avec les 10 caca là, qui crient. Là. Je pense que c'est... moi, je dis Swallow, mais je pense que c'est Charlot. En voyant le Steve Fantail. Bon, OK! Maudite gadaille. Sataniste. Luciférienne. Bon, plus capable, c'est assez, je m'en vais. Alors, je vous laisse là-dessus. C'est assez. Vraiment, à ce soir. C'est mon pire vidéo. Je sais même pas si je devrais-tu le publier. Ah, les gars. J'espère que ma version anglaise va être meilleure. Je vous laisse, je vous aime. Merci d'être là, à ceux qui me suivent. Même si des fois je suis plate, au moins, là je vous divertis. Puis je vous fais découvrir de la musique que vous avez jamais entendue. Alors à bientôt. On se laisse là-dessus. I'm here, I'm not here. M'en vais.